Ah ben t'es là, Pierre? Ouais. Et pourquoi tu viens souvent ici? Beaucoup de raisons. Je ne sais pas par laquelle je vais commencer. D'abord, c'est un endroit qui a un charme fou. C'est un endroit qui est totalement différent de tous les restaurants qu'on peut trouver dans la région. Ça ne m'étonne pas qu'il ait un charme fou, c'est que les patrons ont un charme fou. C'est vrai. Ça, c'est déjà une très bonne raison. La deuxième, c'est que l'endroit aussi est joli. Et ce qui est formidable, c'est qu'il donne l'occasion à tous les artistes de la région de pouvoir se montrer leur travail, leurs travaux. Des sculpteurs, des peintres, des gens qui font des vases. Et des plaides. Et des plaides, j'y arrive, oui, mais ça, j'y arrive. J'allais y arriver, mais j'allais le mettre à la fin. Et justement, c'est là ma femme qui est brésilienne, elle fait venir, enfin elle fait venir, elle les crée, des plaides qu'elle fait en accord avec des tribus amazoniennes. Et quand on sait le problème qu'ils ont en ce moment, c'est pas mal de les aider, si le peu qu'on puisse faire. Donc elle ramène ses plaids d'ici. Et les gens, ils adorent, et ils en achètent. Et celle-là est forcément ravie de faire connaître son travail, comme les autres artistes le font. C'est pour ça que j'ai dit, il y a 1000 raisons. Pour venir ici. Pour venir ici, des raisons gastronomiques, puis des raisons en plus d'art, mais pas forcément que l'art de ma femme. Et il y a du bon vin en plus, je crois. Ah bah oui, parce qu'en plus il est viticulteur. C'est ça. Non mais ces gens-là sont m'énervent, ils savent tout faire. Ils savent tout faire et bien, non, parce qu'il y a des gens qui savent tout faire mais mal. Oui, mais c'est machin. Ils font bien la cuisine, il fait bien du vin et Christine a le goût de choisir de jolies choses que les gens peuvent regarder et voir acheter. Et évidemment, j'y inclus les plaides de ma femme. Bon, et elle est où ta femme? Je peux aller voir quelque part? Mais je sais pas. Elle est par là-bas? Dans les profondeurs de cet endroit qui est lui aussi magique. Hein. Ouais. Vous la retrouverez peut-être dans les jardins, je ne sais où. Ah, c'est là, tu es là. Bonjour. Ça va bien? Alors, j'ai vu Pierre qui évidemment m'a parlé de toi. Alors, raconte-moi un peu ton histoire. Donc déjà, à l'origine, tu es brésilienne. Oui, j'ai un petit, c'est pas grand, c'est un atelier de confection au Brésil, à São Paulo, d'où je viens, bien sûr. Et j'ai créé des plaides avec une collaboration avec les Indiens du Brésil. J'ai choisi un tribu. Dans les cas, cette tribu que j'ai choisie, c'est les Guarani. Oui, qui est une tribu très connue. C'est la plus connue parce que, comme il dit, la langue, on parlait portugais, mais la langue native du Brésil, c'est les tupi-guarani. D'accord. C'est les Indiens et les Guarani. La chef, c'est une femme. Ouais, ouais. Bien. Et on voit là en photo, c'est ça? Ouais, c'est elle. Et me donner la permission d'utiliser des dessins. C'est-à-dire, c'est des dessins qui vont représenter quoi, par exemple? Par exemple, voyez. Montre-moi. Ça, par exemple. Oui. C'est les dessins que les serpents laissent dans la forêt. Ah, so, pour les reconnaître. Les enfants, oui. Quand ils passent, ils voient ça par terre, ils reconnaissent si c'est un serpent vénéneux ou pas. Il fait au demi-tour ou il continue son problème. Et tu as repris donc ces motifs? Et j'ai repris les motifs, c'est eux qui ont dessiné. Et j'ai repris et j'ai fait dans mes machines, dans mon atelier. C'est génial, donc en plus il y a une histoire autour de ces plaides. Il y a toujours une histoire, parce que dans la vérité, faire des plaides, tout le monde peut le faire. Moi, je voulais faire quelque chose où il y avait un peu les sociales. Oui, tout à fait. Et dans mon cas, c'était de raconter l'histoire du Brésil, mais la vraie histoire des natifs. Et c'était une façon, à travers des dessins à eux, je peux raconter, parce que tous les plaides, elles ont toujours une petite étiquette qui dit quels sont les motifs. D'accord, il y a une explication. Il y a toujours une explication. Mais ça, c'est génial, parce que tu vois, souvent, on voit des plaides, des choses avec des motifs dessinés, mais qui n'ont aucun sens. Et là, pour le coup, il y a une signification, il y a quelque chose, il y a un message. Et il y a un message qui vient d'eux. Et en plus, tout ce que j'ai fait, tous les plaides vendus, je les donne 15% à la tribu. À eux, à la tribu. Ah oui, donc il y a un côté aussi social. C'est les sociales, c'est une façon où je peux les aider voyez, directement, parce qu'on fait un contrat, tout correctement. Je peux les aider directement sans passer par des voies que je ne sais pas où sont les voies. Exactement. Et une aide derrière. En quoi ils sont ces plaides? C'est quoi la matière? Moi, j'ai fait un choix. Oui. Okay, parce que les cotons, c'est toujours... Les cotons, c'est les cotons. Et puis le coton n'est pas écologique. Tu sais que c'est la plante qui consomme le plus d'eau. Donc c'est nuisible à notre planète. Dans ces cas, j'ai trouvé... ça, c'est la viscose. Parce que la viscose, à la base, elle vient de la poudre de bois. D'accord. Et pour ça que j'ai choisi cette file, parce qu'il n'y a pas de l'acrylique. Bien sûr, dans l'intérieur, besoin d'un fil pour la garder, parce que la viscose, elle bouge. Mais c'est un fil qui, en plus, il est anti-allergique. Vous voyez, et vous pouvez laver dans la machine à laver. Il n'y a aucun souci. Et ça vient, et la base, ça vient aussi de la forêt. Bien sûr. Donc il y a en plus cette continuité, cette logique. Oui, c'est une façon d'être correcte. Et c'est très doux, hein, c'est très doux au toucher. Super doux. Tes plaids sont très épais pour le coup. Parce que ça dépend de l'épaisseur, c'est la quantité des fils que je mets dedans. Quand il y a 3 couleurs, c'est plus épais, 2 couleurs, c'est un peu moins épais, mais ça change en 400 grammes, 300 grammes. Oui, il y a toutes les possibilités. Dans les poids des plaids. Et ils sont réversibles, hein, tu me disais. C'est-à-dire que là, on a le choix. Il y a des gens qui adorent ce côté. Vous voyez, moi, bien sûr, c'est... Et ça, par exemple, c'est les chouettes, qui c'est les yeux des chouettes. Ah, d'accord. Qui, pour eux, c'est les protecteurs de la nuit. Qui vient, il ramène dans les rêves, il ramène les savoirs, les questions, elles sont répondues. C'est la chouette qui vient dans les soirs et qui passe toutes les informations qui sont besoin. Tu te rends compte, tu racontes ça comme histoire, c'est génial. Mais c'est ça la beauté. Oui. Non, c'est du concret quelque part. Oui. C'est non, puis t'en parles avec passion, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Si j'aime pas, je peux pas les passer. Mais de toute façon, quand il y a une histoire derrière, que je peux passer un savoir-faire de quelqu'un, là je fais avec les plaisir. Ben, ça fait plaisir. Ça, c'est la nôtre. Donc il y a toutes les couleurs. Hein. On a des bleus, on a des gris, des beiges, on a des roses un peu pastel. Les noirs et blancs, ils sont super aussi. Des choses comme ça. Vous voyez? Parce que là, vous voyez, là, tu vois vraiment qu'il y a les deux côtés. Ah oui. Non, il est très beau, puis c'est épais, c'est c'est pour ça, au début, il y a du cachemire, mais non. Non, mais c'est vrai qu'on a l'impression tellement que c'est doux et agréable. Et ça garde. Puis ils sont lourds, attends, ils sont lourds, tes plaids. Bon, l'avenir, c'est là, ça donne quoi? Tu repars au Brésil? Je pars là dans 2 semaines, de toute façon. Je pars beaucoup au Brésil parce que j'ai besoin d'être là, j'ai besoin de ramener l'argent à eux. Je pars directement les avoir. Parce que c'est cette rapproche, c'est cette union entre nous qui fait la force. Bien sûr, Et là, je vais faire une autre histoire avec des tribus de Xingu qui sont en Amazonie. D'accord. Ça, c'est une femme qui est venue au Brésil, qui a réuni 16 tribus différentes. Et ces 16 tribus, elles ont donné la permission de faire des dessins à eux, parce que chaque endroit, les dessins, ils ont ces caractères totalement différents. Oui, puis c'est personnel, c'est ça. Exactement. Chaque ethnie ont ses propres dessins. Et je vais faire un travail qui, j'espère, pouvoir faire une grande exposition l'année prochaine, pour montrer cette autre histoire de Xingu. Il a vraiment eu son danger. C'est une façon aussi de les aider, c'est ça, il y a un côté... C'est la seule manière que je peux aider, c'est à travers de mon petit métier. Et ben, c'est super. Ben, c'est génial. Et toujours dans des plaids ou tu comptes te diversifier dans d'autres domaines? Non, j'ai les plaids, j'ai les coussins. Et je veux faire aussi des ponchos carrés, des trucs, mais tout pour la maison. Tu m'en réserves hein? Bien sûr. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Sayla. Et je suis ravie, vraiment ravie de t'avoir découvert. Et puis écoute, je crois qu'on va... Mon petit monde. Ton petit monde qui est un monde merveilleux. Merci beaucoup. Gentil, merci. À bientôt. À bientôt.